tout d'abord, merci à tout le monde d'être venu ici pour assister à cette soutenance. Donc, dont intitulé est Graphe du Web et mesure d'importance à la page rank. Alors, cette soutenance, ainsi que mon mémoire, sont dédiées à mon père qui, hélas, n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, c'est à lui que je dédie tout ce travail. Alors, donc tout d'abord, je vais essayer de définir comment est-ce que je suis arrivé à faire cette thèse. En fait, il faut savoir qu'au départ, j'ai une formation qui est plutôt à mi-chemin entre les maths et la physique, c'est-à-dire j'ai fait une licence de physique, une maîtrise de maths, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Et en particulier, je me suis retrouvé à faire un DEA d'acoustique, traitement du signal et informatique appliqué à la musique. J'ai découvert des choses assez intéressantes dans ce DEA, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce vers quoi j'aspirais. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai participé au tronc commun du DEA d'algorithmique. Ce qui m'a permis de faire la connaissance de Daniel Krob, avec lequel j'ai fait un stage sur la téléphonie mobile de 3e génération. Par donc Daniel Krob est venue donc l'idée de commencer une thèse, avec comme concept général, trouver des méthodes pour arriver à détecter les points chauds du web, les points où il peut se passer des choses intéressantes. Alors pour faire cette thèse, j'ai été tout d'abord dirigé avec Laurent Viennot, avec qui donc j'ai travaillé depuis le début. Et au moment de administrativement commencer une thèse, donc j'ai fait une thèse et un doctorat sous la direction de Michel Ami. Ce qui explique en fait que, au final, je me suis retrouvé à faire une thèse à cheval entre trois laboratoires, l'IAFA, l'IRM et l'INVIRM Concours, qui m'a valu le surnom assez mérité de thésard fantôme. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais faire un petit prélude et je vais vous parler de. Comment est-ce qu'on peut voir les graphes du web? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe du web en fait? Un graphe du web, c'est un ensemble de pages et un ensemble d'hyperliens, c'est-à-dire un ensemble d'endroits où on peut cliquer et qui relie les pages les unes aux autres. Alors, ce graphe du web, en fait, on peut le représenter très facilement sous forme de matrice d'adjacence. On définit une matrice M égale petit m et j, pour i et j étant des pages de ton graphe. Et m et j, on définit comme valant 1 si i pointe sur j, c'est-à-dire s'il existe en fait un hyperlien qui relie i à j, et 0 sinon. Alors ce qui est intéressant, c'est que si nos URL sont triées de la manière naturelle, c'est-à-dire sont triées dans l'ordre lexicographique, alors visuellement, ben, une matrice d'adjacence, c'est assez intéressant. Et en particulier, il est très facile d'apercevoir visuellement la notion de site. Donc je vais donner un petit exemple. Donc ça, c'est une matrice d'adjacence qui est faite sur un crawl du domaine.fr, sur un crawl du web français. Et donc, en fait, à chaque fois que vous voyez un point noir, ça veut dire que la page qui est représentée par l'ordonnée pointe vers la page qui est l'abscisse. Et donc on observe qu'effectivement cette structure est tout sauf désordonnée et constituée de petits carrés qui sont éparpillés le long de la diagonale principale. Alors on peut s'amuser si on veut à zoomer sur son premier carré. Par exemple là ici c'est un site qui représente un dictionnaire interactif. Donc on a plein de pages qui pointent les unes sur les autres. On peut zoomer sur notre carré, celui-là par exemple, qui représente, si je ne m'abuse, la page de l'équipe algorithmique de l'INRIA. Etc. etc. J'en fais un petit jamais pour la route. Ça, c'est un site dédié à Macintosh, je crois, au Mac. Et si on veut, on continue à zoomer, etc. etc. Et on observe toujours cette structure de carrés qui montre, qui affirme la présence d'un site. Donc voilà, c'était avant de commencer pour expliquer un petit peu que les graphes du web, finalement, ça peut se voir assez bien. Alors, dans mon mémoire, donc, je consacre la première partie à parler de ces problèmes de graphes, à définir, essayer de définir tout au moins ce qu'est le web, et en particulier les seules méthodes concrètes que l'on a pour accéder à des portions non négligeables du web, qui sont l'utilisation de crawlers, et donc d'avoir des bases de données qui permettent d'avoir des mesures de taille du web, je vois des mesures de ce qu'on est capable de mesurer sur le taille du web. Et enfin, donc, je conclue la première partie de mon mémoire par décrire quelles sont donc les différentes graphes, structures qu'on peut observer, typiquement donc, ces petits carrés, et d'autres types de modèles de structure qui ont été discutés ailleurs dans la littérature. Et sinon, mon mémoire donc, est principalement consacré à l'étude des phénomènes de classement à la page rank. Donc pour ça, je fais un bref rappel sur les chaînes de Markov pour pouvoir définir exactement ce qu'est page rank, les interprétations que j'ai réussi à avoir sur le page rank, en particulier comment est-ce qu'on pouvait avoir une double interprétation du page rank et les limites que nous avons sur les grands graphes. Enfin, j'ai conclu mon mémoire en définissant plusieurs algorithmes originaux qui essayent de décrire des améliorations possibles de l'algorithme PageRank. Donc un de ces algorithmes est BackRank, qui nous allons voir ici modélise
d'une certaine façon de revenir en arrière dans un modèle qui décrit PageRank, et l'autre qui consiste à essayer de prendre partie de la décomposition en site du graphe du web afin d'arriver à avoir des algorithmes plus performants que j'ai nommé FlowRank et BlowRank. Alors dans cette présentation, je vais en fait me limiter juste à deux parties, l'équivalent de deux chapitres donc, du mémoire, qui sont les parties PageRank et BackRank. Alors la partie PageRank, donc, je vais définir ce que sont les systèmes de classement, quel est leur intérêt, pour zoomer donc, sur un système en particulier, qui est l'algorithme PageRank. Je vais expliquer le principe général théorique qui est finalement assez simple, et montrer la principale manière pratique de l'appliquer à des graphes réels, qui consiste à introduire un facteur d'amortissement. Enfin, j'évoquerai un problème très fréquent et pas facile à résoudre d'un point de vue théorique, qui est le problème des feuilles, c'est-à-dire du problème donc, des pages qui n'ont pas de lien sortant, des pages terminales qui pointent vers nulle part. Et cela m'amènera à parler de BackRank, qui en fait donc, va être motivé en particulier par réussir à résoudre ce problème d'arriver à pouvoir gérer les pages sans lien, les feuilles. Nous allons montrer donc, la théorie qui est derrière, qui est assez simple, mais qui peut se modéliser quand même, qui est la théorie du back irréversible. Et nous montrerons par quelques expérimentations que c'est un algorithme qui finalement peut s'avérer assez prometteur. Alors, pour commencer donc, PageRank, qu'est-ce que c'est? Quelle est la théorie qu'il y a derrière? Comment ça peut marcher en pratique sur le web? Alors, le problème de départ, en fait, c'est un problème qui est assez fréquent aujourd'hui, c'est s'orienter dans des bases de données qui sont immenses. C'est-à-dire, le web, pour un être humain, c'est beaucoup de pages, c'est un milliard de pages, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accéder sans se faire aider. Donc, à partir de là, il est nécessaire d'avoir des outils de recherche qui vont guider les utilisateurs pour arriver à trouver les pages qu'ils recherchent dans cette masse quasi infinie de données. Alors, il y a deux principales méthodes, des méthodes manuelles qui consistent donc à utiliser des gens pour tester à la main les adresses qui sont soumises et les classer à la main. Donc c'est une méthode qui est efficace mais qui a un inconvénient majeur qui a une capacité de traitement extrêmement limitée. Et donc l'alternative qui est des méthodes automatiques, donc ce sont des algorithmes, des ordinateurs qui vont pour nous faire des recherches, le classement des pages du web. Et avec, donc, comme problème, trouver des algorithmes qui vont effectuer ce classement tout seul, sans aucune intervention humaine. Alors, ces algorithmes, donc, c'est principalement des méthodes de tri, des méthodes qui vont essayer de trouver comment sortir les pages. Alors, historiquement, les moteurs de recherche de première génération utilisaient des méthodes par tri selon la pertinence. Principalement, l'utilisateur fait une requête, donc dans le moteur lui-même, il donne un mot-clé, et notre moteur de recherche va en fait comparer ce mot-clé par rapport à tous les mots qu'il a enregistrés dans toutes les pages qu'il a visitées et va s'en servir pour essayer de retrouver quelles sont les pages qui en fait seraient le plus susceptibles de convenir à la requête qu'a fait l'utilisateur. Alors cette méthode qui marchait assez bien au début s'est retrouvée très vite confrontée à un problème qui est son extrême manipulabilité, c'est-à-dire le fait qu'il soit facile pour une page donnée en trichant en fait sur les mots qu'elles contiennent, en surchargeant la page de mots-clés bien choisis, de se faire classer arbitrairement et de manière totalement fausse en fait au sommet des classements des moteurs de recherche, alors que la page sur contenu réel en fait n'en vaut pas forcément le coup. Donc d'où l'idée d'une nouvelle génération de moteurs de recherche basée sur en fait la notion d'importance structurelle. Alors ce modèle-là en fait j'ai fait une erreur de transparence, excusez-moi. Donc ces modèles-là, on peut citer par exemple PageRank, qui est l'algorithme qu'on va utiliser aujourd'hui, et HITS. Ce sont donc des algorithmes qui sont basés sur cette structure avec les pages et les hyperliens, et qui sont indépendants du contenu. Donc on va essayer de se servir du fait que quand on pointe sur une page, ça veut dire quelque chose, on ne l'a pas fait pour rien, pour arriver à classer les pages les unes par rapport aux autres. Alors, quand après, face à une requête, on veut pouvoir donner un résultat, ce qui va se faire principalement, c'est le moteur va avoir quand même un tri sémantique par pertinence pour dire d'après les mots-clés quelles seraient les meilleures pages, va le confronter au tri par importance lié à l'importance structurelle et va faire un mélange pour trouver les pages qu'il va envoyer à l'utilisateur pour répondre à sa demande. Et il existe également donc des méthodes hybrides qui essayent à la fois d'avoir dans une certaine mesure une importance sémantique mais liée à l'importance structurelle. Donc par exemple, il y a le Topic Sensitive PageRank
qui va essayer en fait de créer une série de classements pour chaque thème et qui, face à une requête donnée, va essayer donc de la catégoriser en thème et d'utiliser une combinaison linéaire des page rank de ces thèmes pour fournir le classement. Et donc l'algorithme OPIC de Serge Abitbol qui permet de faire en fait une personnalisation du classement dans le même esprit que celle proposée par Toubib Scientific, mais pour une requête donnée, donc arriver à avoir un page rank donc, qui correspond à la sémantique de cette requête. Alors, est-ce qu'il existe d'autres méthodes de tri? Il faut savoir qu'actuellement, la course au moteur de recherche a repris plus belle. Yahoo veut lancer son propre algorithme de classement qui est le classement WebRank. Microsoft s'est également lancé dans la course et a affiché clairement son ambition de dépasser Google. Donc derrière ça, il y a forcément plein d'algorithmes, en particulier plein d'algorithmes pour pouvoir classer les pages. Mais tous ces algorithmes sont sous le secret sont sous secret industriel et a priori donc on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la récupération de l'algorithme précédent ou pas? On ne peut pas le dire. Alors, algorithme PageRank donc. À l'origine, ça a été un projet de Stanford, mené en particulier par Brin et Page, de 98, et qui a donné à une petite start-up qui s'appelait Google, et qui depuis a fait un certain chemin. Alors derrière PageRank, en fait, il y a une idée finalement très très simple, c'est de considérer que l'importance page d'une page, elle vient tout simplement de l'importance des pages qui la réfèrent. Donc c'est un peu un système autoréférent, je suis important si je suis pointé par des gens importants. Alors formellement, donc, si notre graphe du web, donc notre ensemble de pages et d'hyperliens qui les relient, on dit que c'est G égale VE, donc G c'est les sommets et les arêtes, alors on va définir le page rank comme un vecteur qui va vérifier pour toute page du web en fait, bah, son page rank, ça sera la somme pour les pages qui pointent vers elle, du page rank de ces pages, divisé par leur degré sortant. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'importance d'une page, elle va la répartir équitablement parmi tous les degrés qui sortent de cette page. Alors donc, ce page rank, cette équation autoréférente, on peut l'interpréter de deux manières finalement, qui aboutissent au même résultat, mais qui sont deux approches différentes du modèle. La première approche est une approche de distribution d'importance. C'est-à-dire donc, cette équation du page rank qu'on a définie précédemment, on peut l'écrire de la forme P égale transposé de AP, transposé de A, je le décrirai tout à l'heure, mais globalement c'est la matrice d'adjacence, c'est-à-dire ça indique qui pointe vers qui. Donc cette équation-là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque page donc, possède une certaine importance, une quantité, donc une valeur, on peut voir ça comme du cache, comme une quantité de volume, donc une importance. Et en fait, il y a une répartition, donc les page rank des pages qui pointent sur V sont redistribuées sur les page rank, sur le page rank de V, à travers les hyperliens, une espèce de diffusion, une propagation de flow. La deuxième interprétation, en fait, est l'interprétation en termes de modèle de surfeur aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que sur notre graphe, en fait, on va avoir un petit surfeur qui va parcourir le web et qui, à chaque fois qu'il va arriver sur une page, va cliquer en fait, au hasard sur un des liens qui s'offre à lui. Donc voilà, il se déplace, il choisit, là il n'a pas le choix, il faut qu'il monte. Finalement, il décide d'aller en bas, il peut aller à gauche ou à droite, il va aller à droite, il peut monter ou descendre, il monte, etc., etc. Et ce surfeur aléatoire, on le fait parcourir le graphe infiniment. Et en fait, avec un peu de chance, asymptotiquement, en fait, il va définir une probabilité stationnaire de présence sur l'ensemble des sommets du graphe. Et cette probabilité de présence, elle est en fait égale au page rank. Si le page rank, on suppose qu'on l'a choisi de telle sorte à ce que sa norme soit 1 soit égal à 1, c'est-à-dire si le page rank, on l'a normalisé pour en faire une distribution de probabilité, alors cette distribution de probabilité est la probabilité de présence asymptotique du surfeur aléatoire, à condition que cette probabilité existe. Alors justement, à quelles conditions ça existe? À quelles conditions on sait que ça marche bien? Bien pour ça, on a un bon vieux théorème, qui est le théorème de Perron-Frobenius, qui est du début du siècle dernier, et qui nous assure des hypothèses selon lesquelles notre phénomène va marcher, par exemple, donc le surfeur aléatoire va converger. Donc, en fait, tout ce qu'il faut supposer, c'est que la matrice G soit fortement connexe. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie en fait qu'à partir de chaque page, on puisse pointer sur n'importe quelle autre page. Et il faut également supposer que le graphe G soit apériodique. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère l'ensemble des cycles, l'ensemble des chemins d'une page à elle-même, eh bien, le plus grand commun diviseur, c'est 1.
Alors, soit A, la matrice. Donc, à partir de là, en fait, la matrice A, donc je peux maintenant la définir. J'en ai, la matrice A et J, c'est exactement comme la matrice d'adjacence que j'ai définie dans le préambule. Sauf qu'au lieu de dire que A et J vaut 1 si I pointe vers J, là, on va effectuer la répartition équitable donc, dont j'ai parlé précédemment. On va dire que A et J vaut 1 sur 2 bien sortant de I. Si I pointe vers J, c'est-à-dire si I pointe vers J et si I possède N bien sortant, et ben le poids de I vers J sera de 1 sur 1. Donc dans ces conditions, Perron-Frobenius nous assure que le patch rank est la solution de P égale transposé de la fois P à une normalisation près. Donc, par exemple, on peut supposer qu'on choisit le P de telle sorte à ce que norme 1 vaille, à ce que la norme 1 de P vaille 1. Bon, ce qui correspondra en fait à une distribution de probabilité, puisque Perron-Frobenius nous assure aussi que notre vecteur a ses coefficients tous positifs et même strictement positifs. Et de plus, donc Perron-Frobenius nous assure que si on choisit une distribution de probabilité quelconque, P0, et que l'on fait des itérations du type Pn plus 1 égale transposé de la fois Pn, et bien alors ces itérations vont finir par converger vers ce que l'on veut, c'est-à-dire vers la solution P de l'équation P égale transposé de A fois P, que nous appelons patch rank. Et l'interprétation, c'est de la chaîne de Markov, c'est-à-dire en fait, derrière ça, P0, c'est une probabilité de présence initiale de notre surfer aléatoire, et à chaque fois qu'on fait transposer de A, on le fait cliquer au hasard, et on progresse assez, on progresse assez, jusqu'à obtenir en fait, par principe d'harmonicité, l'équivalent de sa probabilité asymptotique de présence. Alors, donc ce petit modèle, en fait, ce cas idéal théorique qui explique la philosophie qu'il y a derrière, a des certaines limites qui se rencontrent dans le cas des graphes du web réel, c'est-à-dire des graphes sur lesquels on travaille réellement en ayant parcouru le web et récupéré des pages. Donc, parmi les problèmes, par exemple, il y a le problème que j'ai déjà mis complètement forcément de Nex. Il existe pas mal d'ensembles de pages dans lesquelles, une fois qu'on est rentré, il n'y a plus moyen d'en sortir. Donc, pouvoir aller de n'importe quelle page à n'importe quelle autre, c'est pas gagné. Il y a le problème de la convergence, c'est-à-dire, a priori, si on se contente par des méthodes faciles de résoudre le problème de la forte connexité, eh bien, malgré tout, Perron-Frobenius nous dit que ça converge, mais il ne nous dit pas à quelle vitesse ça converge. Et en pratique, si on fait des méthodes trop simples, ça peut converger très très lentement. Et il y a aussi un problème qui est un problème de modélisation, c'est-à-dire Green et Page ont affirmé que si PageRank marchait bien, c'était en particulier parce que ça représentait quelque part une certaine modélisation du comportement des serveurs réels, des surfeurs réels. Et le surfeur réel ne fait pas que suivre des liens. A priori, personne ne va d'une page à une autre simplement à coup de lien. Il y a l'utilisation des bookmarks, on peut rentrer des adresses à la main, on peut évidemment utiliser un moteur de recherche, enfin, on fait des choses qui ne correspondent pas qu'à des liens. Et donc ça, après tout, on pourrait avoir envie de le modéliser. Donc d'où l'idée d'introduire ce qu'on a appelé le ZAP. Alors le ZAP, c'est quoi en fait? C'est offrir la chance au surfeur aléatoire de ne pas cliquer les liens, mais de faire autre chose, de se téléporter quelque part ailleurs sur le web, indépendamment des liens. En termes de flow, donc, on va prendre une part du flow et on va la redistribuer, indépendamment pareil de la structure de liens, quelque part sur le web. Alors, ça en fait, donc ça traduit par une équation, qui est l'équation d'amortissement que je représente ici. Donc, le Pn égale transposé de A fois Pn, le Pn plus 1 égale transposé de A fois Pn est devenu maintenant Pn plus 1 égale D transposé de A Pn plus Z. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, le D, c'est le facteur d'amortissement, ou le facteur ZAP. C'est lui qui va en fait indiquer qu'est-ce qu'on garde du système original qui consistait à suivre les liens. Donc, en fait, la propagation va se retrouver amortie, c'est-à-dire, en fait, si on pense en termes surfeur aléatoire, à chaque fois, avec une probabilité D, le surfeur va suivre un lien, avec une probabilité donc restante, il va faire autre chose. Et si on pense en termes de flow, ça veut dire qu'une partie D du flow va être diffusée à travers les liens, et une partie autre va arriver ailleurs. En pratique, D vaut empiriquement 0,85 à 5% près. Alors, les autres termes, donc Z, c'est la distribution de ZAP, c'est une distribution de probabilité qu'on choisit comme paramètre du modèle, et qui va définir, donc, quand on choisit de zapper, de se téléporter, de ne pas suivre les liens, sur quelle page est-ce qu'on va atterrir. Donc on définit la page sur laquelle on va atterrir, selon la probabilité de distribution Z. Et mu représente la probabilité effective de zapper. Donc vous allez me dire que mu devrait valoir 1 moins D, mais en fait, nous allons voir que ce n'est pas forcément le cas. Et si on considère mu Z ensemble, en termes de flow, on peut voir ça comme une source de flow, c'est-à-dire on peut voir un modèle, en fait, où à chaque étape, une portion D du flow est diffusé, et de manière parallèle, il y a un patch rank externe, une source de rang externe qui arrive et qui vaut UZ, et qui vient compenser en fait le fait qu'il y ait seulement une part D qui soit diffusée. Alors, donc pour commenter ça, on peut voir ça sous forme que P dépend de D transposé de A fois P et de UZ.
Donc on traduit ça par le PageRank d'une page d'ODB. Et en fait, le PageRank met amorti cette fois-ci des pages qui pointent sur V, auxquelles s'additionne une source externe de PageRank. Alors un problème, c'est que, encore un autre problème de ce modèle, c'est le problème des pages sans lien, qu'on appelle aussi les feuilles. Donc ces pages sans lien, c'est des choses qui ne sont pas gérées par le modèle, même si on incorpore un facteur d'amortissement. Donc en particulier, donc, si on pense en termes de surfeur aléatoire, on a un processus qui est mal défini, c'est-à-dire quand le surfeur arrive sur une page qui n'a pas de lien sortant, bon, on sait qu'a priori, avec une probabilité 1-D, il va zapper. Mais ce qui se passe dans les des cas suivants où il devrait suivre un lien et il n'y en a pas, n'est pas défini clairement. Et en termes de flow, ça veut dire que s'il arrive sur une page qui n'a pas de lien sortant, bah le flow sera conservé à hauteur de D, mais il y aura 1-D fois le flow qui sera perdu, dissipé. Donc à partir de là, ce problème de fuite, de mauvaise définition, nécessite soit, si l'on veut garder une interprétation stochastique, de renormaliser constamment le page rank pour essayer de le maintenir à 1, pour essayer de maintenir une distribution de probabilité, soit de décider qu'on va se placer dans le modèle avec flow constant, et que donc en fait on va dire on injecte une quantité de page rank en continu, et il y a des pertes, c'est pas grave, on n'en tient pas compte, mais à l'arrivée du coup on ne peut plus garantir quelle sera la norme du page rank à l'arrivée, la norme n'est plus 1, elle est autre chose, très souvent inférieure. Donc on a une espèce de divorce des deux points de vue, mais qui est un divorce en fait assez fictif, puisque les deux visions, même si les algorithmes après diffèrent légèrement, aboutissent au même classement à la fin. Mais le problème de ces feuilles, en fait, c'est qu'à l'arrivée, le zap effectif est mal contrôlé. C'est-à-dire, dans un modèle idéal, où il y aurait toujours des liens sortants, on peut affirmer que c'est 1-D qui correspond à la probabilité de zapper de se téléporter. Là, du fait qu'il y a des pertes, du fait que rien ne se passe plus, alors si par exemple on choisit une méthode de renormalisation, eh bien justement, ce paramètre mu n'est pas égal à 1-D, ce paramètre mu est supérieur, et on ne contrôle pas. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle facile de la probabilité qu'on va mettre dans notre modèle de zapper à chaque itération. Surtout qu'en pratique, donc mu est en fait fortement lié au pourcentage de pages sans lien de feuilles qui existent dans le graphe, ce qui va dépendre de la qualité du graphe, ce qui va dépendre par exemple de si dans notre graphe on a incorporé les pages qu'on n'a pas encore visitées, qui sont de fait des pages sans lien, ou si on les a éliminées. Donc une très grande variation du nombre de pages sans feuilles, la proportion du nombre de pages sans feuilles, et un facteur mu qui, sur le test que j'ai effectué, peut varier entre quelque chose qui est très proche de 0,5, de l'ordre de 0,16, et ça peut aller jusqu'à 0,3. Donc la probabilité de zapper effective peut varier entre 1 sur 2, à cause du problème des feuilles. Un autre problème lié aux feuilles est en fait un problème lié à l'algorithme qu'on choisit, Green et Page, pour arriver en fait à faire le calcul de manière effective. C'est-à-dire, finalement, les feuilles, à quoi ça sert ? Ça sert strictement à rien, puisque quand on arrive sur une feuille, il n'y a pas d'hyperlien, donc il n'y a pas d'information structurelle que l'on peut vraiment récupérer. Donc à partir de là, Green et Page ont dit, ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir calculer plus vite, puisque les feuilles ne servent à rien, on va les enlever, et on va travailler donc pour le calcul sur le graphe effeuillé, sur le graphe sur lequel donc, il n'y a plus de feuilles. Et une fois qu'on a eu une convergence de notre vecteur de page rank sur ce graphe effeuillé, on réincorpore les feuilles, et là, hop, on claque des doigts et on a un page rank sur le graphe complet. Le problème qu'on a, c'est qu'a priori, il n'y a strictement aucune raison que le page rank, le classement qu'on obtient sur le graphe qui était privé des feuilles, soit égal au page rank sur le graphe entier. En pratique, sur toutes les expériences que j'ai faites, c'est même pas du tout le cas. Donc on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas un vecteur stationnaire. On n'a pas une convergence sur le graphe entier. On va se retrouver, par exemple, si après avoir ajouté les feuilles, on fait quelques itérations de propagation de diffusion de flow, on va se retrouver quelque part sur la ligne qui mène du vecteur stationnaire sur le graphe effeuillé vers le vecteur stationnaire sur le graphe complet. Et en particulier, à quel endroit est-ce qu'il faut s'arrêter sur cette ligne? C'est pas dit dans l'algorithme de Green et Page, on ne sait pas, c'est inconnu. Mathématiquement, on est sur une pente glissante. Donc on a des problèmes de paramétrage et de justification théorique importants qui se posent à cause de ça. Alors, une solution que j'ai proposée dans mon mémoire et qui permet, entre autres, de venir à bout de ce problème, c'est d'utiliser un algorithme que j'appelle BackRank, qui va essayer de prendre en charge ce problème des pages sans lien. Donc, un algorithme que nous avons essayé avec Mohamed Bouklid sur plusieurs graphes, mais je vais y revenir. Alors, donc, le principe de BackRank, c'est de vouloir modéliser la touche Back, de pouvoir modéliser la touche retour arrière qui est présente dans vos navigateurs.
Alors, donc ça, ce qu'on voudrait, c'est que pour notre surfeur aléatoire, cette touchback, elle existe, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité de revenir en arrière dans le processus stochastique auquel il est soumis. Donc en particulier, a priori, si PageRank marche bien, parce que c'est quelque part une modélisation d'un surfeur qui est une modélisation plus ou moins réaliste, et bien si on incorpore back, on devrait sans doute avoir une amélioration, puisqu'on rend le modèle un peu plus réaliste. L'avantage de la touchback également, c'est que les pages sans lien sont gérées de fait. Quand le surfeur aléatoire arrive sur une page et qu'il n'a pas de lien sortant, et bien c'est facile, il va essayer d'aller en arrière et voir s'il peut s'en sortir. Alors donc ça c'est des avantages. Le problème c'est que du coup on va travailler maintenant sur ce qu'on appelle un processus de Markov avec mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auparavant en fait dans le surfeur aléatoire il y avait juste à savoir sur quelle page il était pour qu'on puisse le faire progresser. Là maintenant a priori il faut qu'il soit sur la page où il était mais qu'il se rappelle où est-ce qu'il était avant pour pouvoir revenir en arrière le cas échéant. Et le problème c'est que vu qu'on travaille sur des très gros graphes, le web c'est plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards de pages, et bien finalement se rappeler de où est-ce qu'il est, ça coûte encore pas trop cher, mais se rappeler de d'où est-ce qu'il est et de d'où est-ce qu'il venait, ça finit par coûter beaucoup en termes de mémoire et a priori ça peut créer beaucoup de problèmes. Alors en fait, nous avons montré que dans un cas assez simple, que j'appelais donc le cas du bac irréversible, on arrivait à se ramener à une complexité qui était exactement équivalente à celle du PageRank, c'est-à-dire qu'on arrive à modéliser un processus avec mémoire, en retenant seulement la page où on est. Alors dans ce modèle, en fait, nous avons pris le parti de choisir de dire que la touche back a l'importance d'un lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple le surfeur arrive sur une page et qu'il n'y a pas de sortie possible, eh bien là, en fait, il n'existe qu'un seul lien pour lui, le lien qui est la touche back, et donc à coup sûr, il va revenir. Quand à l'inverse, il arrive sur une page et que finalement il y a beaucoup de liens, eh bien, on va se dire que oui, après tout, il n'a pas forcément envie de revenir, il y a du choix, il va vouloir peut-être considérer les choix que ça fera lui. Et donc, on va, en se disant que la touche back a l'importance d'un lien, diminuer l'importance accordée à cette touche back. Alors, pour la mémoire, bah, nous avons été obligés, pour des raisons pratiques, de dire que la mémoire sera extrêmement minimale, c'est-à-dire que le surfeur ne se rappelle effectivement seulement que de la page d'où il vient et il ne va pas plus loin. C'est-à-dire l'historique de l'utilisateur est limité à une page. Ce qui a pour avantage quand même d'avoir des équations simples à l'arrivée. Et enfin, le niveau du modèle, une fois que l'historique est vidé, c'est-à-dire une fois qu'on est arrivé à avoir appliqué une fois la touche back, on ne peut pas réappliquer la touche back tout de suite, il faut recharger l'historique en recliquant ailleurs. D'où la notion de back irréversible, par opposition à un modèle de back réversible où la touche back annulerait l'effet de touche back précédente s'il y avait deux touches back consécutives. Donc, formellement, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on va être obligé, plutôt que de parler de page rank, de flow ou de probabilité, comme vous voulez, sur les pages, de considérer des probabilités sur les hyperliens, c'est-à-dire sur les transitions d'une page à l'autre. Donc en particulier, on va introduire le page rank d'hyperlien. On va dire que le page rank d'hyperlien entre Q et P, c'est la probabilité d'être en P en étant arrivé de Q, l'instant d'avant, à partir d'un hyperlien. Donc voilà. Page rank d'hyperlien entre Q et P, finalement, c'est le flow qui circule sur l'arête qui relie Q à P. Nous avons également besoin du page rank irréversible. Donc le page rank irréversible, c'est sa page rank sur une page de P, c'est la probabilité d'être en P grâce à la touche back, et en particulier avec une historique vierge. C'est-à-dire, c'est la probabilité d'être sur la page P avec l'historique grisé, et en particulier, donc, impossibilité de revenir sur la page précédente. Alors ce qu'on constate en fait, c'est qu'avec le modèle qu'on a défini, le page rank d'hyperlien ne dépend pas du sommet d'arrivée P, puisque c'est un choix équitable en fait, et qu'on peut se contenter de parler de page rank d'hyperlien de Q. On a juste besoin de savoir le sommet de départ pour savoir quel va être le flow qui va circuler à travers les arêtes. Donc on a le page rank d'hyperlien, on a le page rank irréversible, et à partir de là, on peut avoir donc le page rank d'une page P. Pour être sur une page P, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit y être arrivé grâce à la touche back, donc page rank irréversible de P, soit y être arrivé grâce à un hyperlien, et l'on fait la somme pour tous les pages Q qui pointent sur P de leur page rank d'hyperlien. Alors, tout cela en fait, ça correspond à des petites équations. Donc le page rank d'hyperlien et le page rank irréversible peuvent s'exprimer récursivement en fonction de l'un l'autre, avec deux équations du premier ordre récurrentes. Donc le page rank d'hyperlien à l'instant n plus 1, en fait, on est obligé de considérer deux cas. C'est pour partir de V,
est-ce que en fait on est venu en V grâce à une touche back ou grâce à un hyperlien? Si on est venu en V grâce à un hyperlien, alors on a degré de V plus 1 possibilité, puisqu'il y a suivant un hyperlien ou sur la touche back. Par contre, si en V on est arrivé grâce à la touche back est grisée et du coup il n'y a plus que degré de V possibilité à choisir et donc pour lequel il faut utiliser le page rank de page rank irréversible. On notera en particulier que le page rank d'hyperlien est nul sur les feuilles et on n'a pas besoin de le définir puisque sur une feuille il n'y a pas d'hyperlien, il n'y a pas de page rank d'hyperlien. Il ne faut pas partir d'une feuille. Quant au page rank irréversible, en fait, il s'explique encore plus simplement. Le page rank irréversible, c'est tout simplement une constante alpha fois le page rank d'hyperlien à l'instant précédent. Avec alpha de V qui est défini comme valant, en fait, la somme pour les pages W pointées par V de 1 sur degré de W plus 1. Alors, ce facteur alpha, je l'ai appelé la back attractivité. Et donc, ça représente, en fait, quelle est la probabilité, quand on quitte une page, de s'y faire ramener à cause du processus de retour en arrière. Bah, c'est un paramètre qui est une constante de graphe, donc c'est un paramètre par page qui va définir, a priori, comment est-ce que cette page va pouvoir se servir de la touche back pour récupérer le page rank qu'elle perd. Alors, donc ça c'était les modèles classiques, mais vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de facteur d'amortissement. Or, si on veut travailler sur des graphes réels, on est obligé de faire un facteur d'amortissement pour les nombreuses raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc il faut incorporer un zap, il faut incorporer un facteur D. Et l'incorporation va se faire de manière assez facile en fait, si on prend en compte le fait que zapper correspond à vider aussi l'historique. Alors, pourquoi c'est facile? Parce que du coup, en fait, on n'a pas à prendre en compte toutes les transitions virtuelles qui sont créées à chaque fois qu'on fait un zap. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait un zap, moralement, il existe des transitions virtuelles entre toute page et toute autre. Et si du coup, il faut pouvoir revenir en arrière par rapport à ces transitions, ça peut être assez dur à gérer. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et d'un point de vue modélisation réelle, finalement, ça correspond à dire que quand un surfeur zap change de sujet, ben justement, il change de sujet, et a priori, il s'est lassé du sujet précédent et il n'aura pas forcément envie de revenir en arrière. Donc en faisant ça, on a les deux équations qui sont là. C'est-à-dire qu'en fait, le page rank d'hyperlien, ben, c'est exactement la même formule que précédemment, sauf qu'il faut ajouter un facteur d'érosion, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un amortissement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une probabilité qu'il est perdu. Il faut éroder la diffusion par un facteur D. Quant au page rank irréversible, et bien pareil, il dépend du page rank d'hyperlien précédent, mais avec un facteur d'érosion qui est rajouté. Et on y rajoute en fait le page rank de zap, c'est-à-dire la probabilité qu'il arrive clair par un zap, qui, vu que notre modèle est maintenant est stochastique, vaut 1 moins D fois Z de V. Enfin justement, je dis que notre modèle est stochastique, notre modèle que l'on définit est stochastique, à la condition de supposer que Z, c'est-à-dire que les endroits où l'on peut zapper, ne comportent pas de page sans lien. Pourquoi? Parce que si on zappe sur une page sans lien, on se retrouve sur une page sans lien avec pas de lien et pas de touchback, puisqu'on l'a désactivé. Auquel cas, on est dans le cas précédent, il ne sait pas quoi faire, on perd du flow, ça ne marche plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est supposer que le support de Z est contenu dans le graphe effeuillé. Auquel cas, tout marche très bien et notre processus est réellement stochastique. Alors, la brique pratique, donc tout à l'heure vous aviez deux paramètres avec une équation, donc des équations récurrentes de degré 1. En fait, en injectant la définition du page rank irréversible en fonction du page rank d'hyperlien, on obtient une équation à un seul paramètre, mais d'ordre 2. Donc le page rank d'hyperlien à l'instant n plus 1, c'est un terme qui vient du page rank d'hyperlien, un terme qui vient du zap, et un terme qui vient de la touche back, de la back attractivité. Alors le problème, donc, c'est qu'on a une équation d'ordre 2, n-1, n et n-1, et finalement, ça nous gêne un petit peu, on voudrait un variable d'ordre 1, il faudrait moins de variables à retenir. Donc ça, en fait, on a le droit de le faire, puisque la machine qui a derrière ces équations, c'est en fait un processus convergent avec un rayon de convergence qui est D, c'est-à-dire que ça correspond quelque part à une fonction qui est d-ellipticienne, donc qui est contractante. Donc notre vecteur de convergence, on peut le voir comme le point fixe de cette application contractante. Et en particulier, comme c'est des ellipticiens, on peut appliquer des méthodes de type cos-cdel et réactualiser les variables au fur et à mesure pour... On a le droit de réactualiser les variables au fur et à mesure qu'on les trouve. Donc, en particulier, notre terme en n-1, on peut le remplacer par un terme à l'instant n. Et le processus ne sera pas le même, ce qui va se passer va pas être le même, mais la convergence va être la même que précédemment, mis à part que, en fait,
avec un peu de chance, on aura peut-être une convergence un peu plus rapide. Alors, la convergence, là, va donner quoi? Va nous donner le page rank d'hyperlien. Ce qu'on voudrait, c'est le page rank sur les pages, donc il faut appliquer la formule de reconstruction. Alors, la formule de reconstruction, en fait, c'est la même que celle que j'ai définie au début de la partie back rank. Le page rank sur une page V, c'est la probabilité, c'est les page rank d'hyperlien des pages W qui pointent sur V, plus le page rank irréversible, donc avec le touche back désactivé, en V. En réinjectant, donc, on a une formule qui exprime, qui reconstruit en un coup le page rank de V à partir donc, des page ranks d'hyperlien convergés et des différentes constantes du graphe et des variables du modèle. Alors ça, pareil, si je fais un schéma, donc l'équation qui exprime le page rank d'hyperlien fonction de trois en fonction donc, de trois paramètres, donc à l'arrivée, le page rank d'hyperlien au niveau d'une page V, il va être quoi? Il va être dû en fait au page rank d'hyperlien des pages qui pointent sur V, mais amorti par un paramètre D. Un page rank de ZAP qui va arriver. Donc jusqu'ici, vous observez, c'est exactement pareil que, enfin, un plus un près parfois, c'est exactement la même chose que pour le page rank classique. Et nous, ce qu'on rajoute en fait, c'est une rétroaction du page rank d'hyperlien de V sur lui-même à travers la back attractivité, la capacité de V à revenir, à récupérer les touches back, donc une rétroaction de PHL sur lui-même. C'est ce terme-là, et quasiment seulement ce terme-là, qui a été rajouté par rapport à l'algorithme précédent. Donc ce paramètre alpha, ce paramètre back attractif, je voudrais insister vraiment sur l'importance qu'il a, puisque c'est lui qui définit le modèle. Donc d'abord, il va donner un classement différent, puisqu'en faisant ça, donc, on a notre modèle. Alors si c'est un modèle plus réaliste, est-ce que ça peut être un modèle plus pertinent, ça, on va dire qu'on l'espère. Autre avantage, c'est que les feuilles n'ont pas de page rank d'hyperlien. Donc quand on fait le calcul de convergence des pages rank d'hyperlien, on fait tourner les algorithmes uniquement sur le graphe effeuillé, sur les pages qui ont au moins un hyperlien. Mais à l'arrivée, une fois qu'on a fait la formule de reconstruction, le page rank, ou plutôt le back rank qu'on obtient, est un classement qui porte sur le graphe entier. C'est-à-dire la reconstruction remplit automatiquement le classement qui est alloué aux feuilles et se fait de manière unique, et le vecteur qu'on obtient est un vecteur qui, par rapport au processus stochastique qu'on a modélisé, est stationnaire. Donc on n'a pas ce problème de devoir refaire des itérations et de s'arrêter au milieu quelque part sans trop savoir. Enfin, donc peut-être qu'en changeant n-1 en n, on peut espérer une convergence plus rapide. Alors on va passer aux résultats expérimentaux. Donc ces résultats qui ont un petit peu changé depuis le mémoire, on est passé depuis à une échelle supérieure. Grâce à Mohamed, on a réussi à faire tourner donc, des algorithmes sur trois nouveaux graphes par rapport mémoire. Donc on a quatre graphes, un graphe du web français, un graphe du Royaume-Uni, un graphe italien et un graphe du web, qui ont été réalisés entre 2001 et 2004 et dont les tailles varient entre 8 millions de sommets et 110 millions de sommets. Donc sur ces graphes, en fait pour là ici ce sera uniquement sur le graphe du web, le plus gros, celui qui fait 110 millions de sommets, on a effectué une comparaison, un match entre le page rank et back rank. Alors il faut définir les paramètres utilisés. Donc PageRank, on a utilisé la méthode préconisée par Brin et Page, donc avec un algorithme qui tourne sur le graphe effeuillé, comme BackRank, puisque BackRank lui aussi tourne sur le graphe effeuillé en fait, mais à la fin donc la nécessité de rajouter les feuilles et de faire une reconstruction itérative, avec un certain nombre d'itérations. Le paramètre de ZAP, les paramètres de ZAP, donc on a pris D égale 0,85 pour les deux algorithmes, BackRank et PageRank, qui est la valeur entre guillemets préconisée par Google, on va dire. Et pour la distribution de ZAP, on a choisi la distribution uniforme sur les pages avec lien, donc la distribution uniforme sur le graphe effeuillé. D'une part, parce que c'était nécessaire pour BackRank pour des raisons de processus stochastique, et parce que c'était nécessaire pour PageRank aussi pour des raisons de le calcul se fait sur le graphe effeuillé, d'avoir une distribution uniquement sur le graphe effeuillé, et autant choisir la distribution la plus simple pour l'instant, donc la distribution uniforme, même si évidemment d'autres distributions peuvent être envisagées. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Là, je représente ici, alors désolé pour ceux du fond, j'espère que ça sera plus lisible au premier rang. J'ai représenté donc pour un graphe du web qui représente 120 millions de sommets, quels sont, d'après BackRank, les 20 premières pages, et quels sont, d'après PageRank, les 20 premières pages. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, on observe que très rarement une page est classée au même temps dans les deux, Netscape par exemple. Que BackRank arrive à classer, à trouver que AltaVista.com est quatrième, alors que PageRank ne l'est pas là.
En fait, elle est 37e, donc elle est bien par là. Et bon, évidemment, c'est réciproque. Il y a des pages que PageRank surclasse par rapport à BackRank. C'est normal. Donc là, l'exemple qu'il y a, c'est le W3 Consortium qui est classé donc 10e selon son PageRank, mais que BackRank ne classe seulement que 21e, ce qui explique qu'on ne voit pas sur le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau-là? C'est que finalement, il existe une certaine différence du classement de BackRank, et que c'est pas forcément une différence négative, qui ça peut être une différence, qui a des aspects positifs, comme le montre par exemple le fait que AltaVista soit un peu mieux classé, alors qu'a priori c'est quand même une page assez importante. En tout cas au moins plus importante que d'autres qui sont par là pour PageRank. Alors donc ça c'est une méthode un peu qualitative avec les mains d'essayer de mesurer l'importance d'un classement. A priori, pour faire mieux, il faudrait faire des tests sur des volontaires qui diraient leur préférence pour une requête ou pour une autre. Mais on ne va pas le faire ici, donc on va essayer de passer à une étude quantitative des similitudes entre BackRank et PageRank. Pour ça, il y a une méthode qui est la méthode du chevauchement. Genre, par exemple, si on considère la première page sur BackRank et la première page sur PageRank, c'est pas la même, donc il y a une similitude au niveau de la première page qui est de 0%. Par contre, si on voit considère les deux premières pages, et bien là en fait c'est les deux mêmes. Donc il y a 100% des deux premières pages qui sont indexées à la fois par BackRank et PageRank. Si on passe à 5 pages, en fait, il y a 3 des pages sur 5, il y a 3 pages qui sont communes aux deux classements, d'où un chevauchement de 60%, etc., etc. À 10, en fait, il y a 6 pages communes pour un classement de 10, donc le chevauchement est à 60%. En fait, pour un choix des n premières pages quelconques, on peut effectuer ce calcul du chevauchement, et ça nous donne donc des courbes qui permettent d'évaluer la différence de manière relativement quantitative qui existe donc entre PageRank et BackRank. Donc là, je vous ai tracé ces courbes de chevauchement pour trois graphes. Donc les trois gros graphes considérés. Donc un graphe du web, qui est en noir, un graphe italien, qui est en rouge, et un graphe du Royaume-Uni, qui est en bleu. Et en fait, pour toutes ces courbes, on est allé jusqu'à 10% des pages considérées. Donc ce qu'on observe, c'est en fait, bon, principalement effectivement pour le graphe du web, des fluctuations importantes et une, on va dire, une différence, une spécificité assez proéminente au niveau des premières pages. Donc au niveau, par exemple, pour le web, quasiment les 10 000 premières pages ont une spécificité. Et après, par contre, on observe un certain lissage, et en particulier, sur tous les coups que j'ai constaté, il y avait une valeur relativement stable à 1%, qui en fait variait entre 85% et 90%. Alors on peut en faire comme une conclusion, mais qui sert, enfin, dont on servira ou pas, comme on veut, de dire que finalement la similitude entre BackRank et PageRank est de 85%, ou également qu'il y a une spécificité BackRank à la concurrence de 15%. Alors pour conclure cet exposé, donc on va finir par les résultats qui nous ont étonnés, mais qui ont été un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est le résultat de convergence. Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est en fait, on étudie la différence qu'il y a entre des itérations successives, et a priori, plus cette différence est proche, et plus on est proche du vecteur stationnaire que l'on voudrait atteindre. Donc, pour l'algorithme PageRank, donc là, c'est les itérations sur le graphe régulier. On observe donc que ça se passe tranquillement. On a une décroissance à raison constante qui tend vers 0,85, enfin qui est la raison tend vers 0,85. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu la convergence, là, si on se met à rajouter les feuilles et à faire tourner l'algorithme à nouveau, eh bien on a une totale perte du caractère stationnaire du vecteur, c'est-à-dire on repart à zéro. Bon, comme je dis, ce n'est pas forcément gênant pour le résultat puisqu'on se retrouve à mi-chemin entre deux pages rank, mais mathématiquement, où est-ce qu'il faut s'arrêter là? Ça, c'est pas dit dans l'énoncé. Et donc la bonne surprise, c'est BackRank qui converge plus rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'il converge plus rapidement? Justement, c'est à cause de son remplacement de n-1 par n. C'est-à-dire qu'en remplaçant n-1 par n pour toutes les variables, par exemple, en fait, on pourrait imaginer qu'on pourrait modéliser à chaque étape l'équivalent de deux étapes du processus stochastique. Donc si en un coup, on modélisait deux coups, on convergerait deux fois plus vite. Bon là, c'est ce qu'on fait, mais on fait ça juste pour la touche back. C'est-à-dire la touche back est modélisée à chaque fois deux coups par itération. Donc du coup, on va un peu plus vite. C'est un peu plus vite, ça correspond à quoi? Ça correspond à, si on veut calculer une précision de 10-10, pour arriver à bien différencier les différentes pages, eh bien, c'est 120 itérations pour page rank à peu près,
est de l'ordre de 85-88 pour Backrank, à savoir donc un gain de 30%. Enfin, signalons que une fois qu'on a eu convergence, eh bien, le vecteur qu'on obtient est un vecteur stationnaire, a priori, aux erreurs d'arrondi de Bonneville près. Donc on n'a pas ce truc-là, et en particulier, on sait que notre vecteur est bien défini et que c'est bien celui qu'on voulait avoir. Alors, Voilà, cette présentation touche à sa fin. Alors, qu'est-ce qui va se faire ensuite? Vraisemblablement, quelques expérimentations donc, de Backrank à une échelle un peu plus grande, et aussi des expérimentations des algorithmes que je n'ai pas évoquées dans cette soutenance faute de temps, qui sont les algorithmes FlowRank et BlowRank, qui essayent, eux, c'est une autre approche, c'est utiliser la structure en site pour arriver à, pareil, faire des calculs intéressants de PyTrank. Enfin, avec Julien Régnier ici présent, qui se réveille doucement, nous avons fait un petit début de sujet de recherche sur le pair-à-pair, en particulier sur le problème de la persistance d'un fichier au cours de sa diffusion par des réseaux pair-à-pair. Voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions du jury. Oui, pourquoi pas. Merci pour cette exposé dynamique. Je vais donc passer à la séance de questions, en commençant la tradition par les rapporteurs. Alors pour distinguer les rapporteurs, là, le critère de distance géographique habituellement utilisé est pas très discriminant. Donc j'ai utilisé un autre critère ad hoc et donner la parole à Serge Amitboul. Dans ce truc-là, il y a quand même quelque chose qui peut poser problème, c'est le comportement des gens qui font des pages web. Oui. Donc en particulier, c'est quelque chose qui peut être gênant, c'est que si je regarde tout ce que tu as fait, je me dirais, si je veux augmenter l'importance de mes pages web, il va falloir que je crée un bon site et puis que je mette. J'ai mis complètement de mettre des pages vers l'extérieur parce que sinon oui. C'est du flow qui part, etc. Mmh. Et c'est le contraire du web. Donc, c'est vrai. Comment tu peux essayer de compenser ce genre de comportement? Ben, le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est finalement, ce qui arrive à PageRank, c'est qu'il a, avec un peu de retard, la même chose qui arrivait aux algorithmes de tri par pertinence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'algorithme de classement est public, forcément, les gens vont essayer de s'en servir. Et du coup, ça va casser le système. Donc, a priori, ce que fait Google, par exemple, c'est qu'ils ont une politique assez stricte qui consiste à essayer de détecter justement les gens qui élèvent vraiment à un niveau commercial ce système de déstructurer leur propre page pour arriver à augmenter de manière extrêmement artificielle le page rank. Et la politique de Google est toute simple, c'est ces sites-là ont un page rank de zéro. Et toute page qui pointe vers un des sites qui est reconnu comme étant ce qu'on appelle une couponnière, donc un site qui va essayer d'augmenter, mais de manière commerciale, le page rank, va obtenir un malus, en gros un page rank négatif, qui va la revenir. Alors après, le problème se pose aussi évidemment à une échelle plus locale. Effectivement, maintenant, tous les webmasters vont sur des pages qui vous leur expliquent comment arriver à augmenter son page rank, tout et tout. Et effectivement, on leur dit de plus ou moins de faire une politique entre d'autres sites, mais quand même plus limité, c'est-à-dire on leur explique vos pages de liens, mettez-les, mais un peu loin par rapport à la page d'accueil. Donc on leur interdit. Enfin, en gros, ceux qui ne sont pas commerciaux, les techniques qui sont dites proposent des alternatives qui respectent la structure. C'est-à-dire qu'on peut facilement accéder aux liens, mais il faut calculer 2-3 fois pour éviter tout de suite de diffuser trop de flow et d'avoir un page en capte amorti au moment de diffusion. Et puis également, par exemple, justement, Un des conseils sont des fois juste des conseils évidents qui est éviter d'avoir des pages sans lien. Quand une page n'a pas de lien, mettez un retour sur la page d'accueil, vous évitez ainsi de tout perdre du page rank. Mais à la limite, justement, ce truc-là, Backrank le contre un petit peu, puisque ce que dit Backrank, c'est que finalement, si vous avez une page sans lien, c'est pas grave, ça va revenir. Donc par exemple, tout le système des frames, qui souvent sont un cauchemar pour les petits webmasters de petites pages personnelles, puisque en gros il faut qu'ils mettent des frames et qu'ils pensent à mettre les retours, sinon ça va pas bien se passer puisque le navigateur va comprendre que c'est des pages sans lien, il va y avoir des pertes. Alors donc effectivement dans les sites de conseil on leur dit mettez des retours dans les listes de frames pour dire qu'il y a moyen de revenir sur la page d'accueil. Mais voilà, la frame peut être une solution pour certains aspects de ce truc-là. Mais le côté dénaturé web, ça c'est
c'est forcément dû au fait que voilà, tout un groupe connu va être abusé. J'ai d'autres questions. Oui. Quand tu fais le bac rack, ça part de l'idée de faire un retour en arrière. Tu te limites à je fais un retour en arrière en plus une fois. Oui. Ce que je comprends bien que ça facilite les équations mathématiques, mais est-ce que tu as réfléchi à ce qui se passait si on autorisait plus de retour en arrière? Est-ce que tu as fait des mesures, même si tu n'as pas de forme analytique, est-ce que tu as fait des mesures sur comment ça se comporterait d'un point de vue calcul de Page Rack? Alors, je n'ai pas pu faire de mesures, en fait. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu des essais qui sont faits. Donc, il y a eu un travail qui a été fait par Widows, je crois, qui essaie de faire pareil à un modèle plus basé sur des simulations concrètes pour arriver à des mesures de choses. Bon, il y a évidemment l'article BackProcess, qui modélise un retour arbitraire. Donc, mais moi personnellement, l'idée c'est que comme je jouais des équations, j'ai un peu essayé de voir qu'est-ce qui se passait dès qu'on mettait par exemple deux chemins, et voilà, j'ai pas réussi vraiment à en dépatouiller. Avec le retour 1, l'avantage c'est que vraiment on a juste une constante de graphe par sommet qui se rajoute et qui fait tourner toute la machine. Donc, et c'est vrai que je doute qu'on arrive à avoir des trucs aussi simples, même si effectivement ça peut rapporter un peu mieux en augmentant l'historique. En plus, l'avantage qu'on voulait avant tout c'était de plus avoir de pages sans lien. Et finalement, ça suffit d'un retour pour les éliminer. Même si d'autres problèmes apparaissent, des problèmes de condensation, après, c'est l'amortissement qui est là pour régler ces problèmes de dissiper. Donc, non, désolé. C'est bon. Très bien, merci. Donc, je passe au second rapporteur, Pierre Fugno. J'ai quelques questions, mais alors avant, je voulais mentionner que j'ai un point positif, un point négatif. Un point positif, c'est que c'est grâce à toi, pendant les journées qu'on a eues au LRI il y a longtemps, tu nous avais présenté ça, c'est une santé grande. Donc, j'ai beaucoup appris grâce à tes exposés. Donc je te remercie, et j'ai encore aussi beaucoup appris en lisant ta thèse. Le point négatif, c'est que page 46, tu insistes bien qu'il faut faire la différence entre différentes pages web qui pourtant se ressemblent. Donc tu cites http://www.france2.fr, http://www.france2.com. Oui. Alors j'ai testé. Ça a failli me causer de graves problèmes, donc je vous invite à tester si vous êtes curieux. Voilà. J'ai précisé que. Il fallait être un lecteur averti. Il y a pas moins de 18 ans, je suis sur le. Alors, je vais revenir aux questions sur un sujet moins mouvant. Alors, tu as beaucoup parlé de ton document des modèles du graphe du web, en particulier, tu parles pas mal sur le modèle papillon qui est très bien. Alors ceci dit, il y a plein de propriétés du web. J'ai passé sous silence. Etc. Alors est-ce qu'il n'y a pas de moyen, pour l'instant j'ai pas vu, ça me semble un peu dual comme approche, il y a ces approches comme PageRank, etc. Ces approches des gens qui cherchent à obtenir les structures du graphe du web. Et il y a pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'on arrive à faire causer les approches, le fait que les communautés, enfin des coefficients de clustering élevés d'un côté, du web puissance, etc. Comment on pourrait s'en servir pour. Comment on peut s'en servir? Par exemple, c'est vrai qu'il y a, la corrélation de l'inconnu entre le degré entrant et le page rank, parce que finalement le degré entrant c'est juste un page rank à distance 1. Sinon, en fait, pour le taux de clustering, ça c'est plutôt effectivement du côté du GAFA, l'équipe de maturité pigeon qui s'en sont occupés. Et j'avoue que ça fait que je ne sais pas trop si. Je n'ai pas eu l'occasion au cours de. Donc t'as pas vu, je ne me trompe pas en disant que j'ai pas l'impression qu'il y ait des travaux pour l'instant qui réussissent à tirer profit de ces structures de graphe du web, soit pour améliorer PageRank, soit pour proposer d'autres solutions en fait. Pour le site, bon voilà, il y a BlockRank, l'algorithme de mes concurrents, il ouais. y a les algorithmes que je pose en mémoire, donc le site, ça, c'est la structure il y a quelque chose qui marche bien. Après, effectivement, les structures en degré proprement dit, par exemple, je pense que ça s'appelle. Donc, il y a ce côté lien en fait, entre degré élevé et être dans un centre de diffusion qui ressort beaucoup de page rank, donc de grand rank, cette fois-ci. Mais sinon, à ma connaissance. Quand tu parles du coefficient là, alpha de V, oui. Il dépend que d'une locale, enfin, que de la page. Du voisinage.
Son voisinage distance 1. Mmh. Alors, on a quand même l'impression que la probabilité de revenir sur une page ne dépend pas quand même que de la page, ça dépend... Si. Enfin, je n'ai pas très bien saisi cet argument. De la page et de la structure classique. En gros, il faut connaître le degré sortant des pages vers lesquelles tu pointes. Parce qu'en gros, finalement, voilà, ton patron d'hyperlien va être le même d'où tu ailles. Et une fois que tu es sur une page, a priori, la probabilité de revenir, donc ça sera 1 sur 237 pages. Donc ton patron d'hyperlien, fois 1 sur 237 de la page, c'est la probabilité que tu reviennes en allant sur ce lien précis. Et si tu... Non, d'accord, excuse-moi, je précise un petit peu. Tout ça, c'est indépendant de la sémantique, en fait, de la page. Enfin, De l'intérêt... justement, c'est ce que tu cherches à mesurer, c'est l'intérêt, mais je veux dire, donc on a l'impression qu'on se mord un peu, qu'en disant, on n'aurait pas moyen, ça changerait les choses si on modélisait en fonction de la page aussi où on est allé, la probabilité de revenir, enfin, que la probabilité de revenir sur un lien soit plus liée au lien lui-même qu'en fait soit la source de la page. Alors, dans la version donc, qui est très théorique de Kleinberg, Back Process, effectivement, là, il a un modèle très complet où tu peux définir, alors au choix sur les pages et sur les hyperliens, la probabilité de revenir quand tu empruntes cette page ou cet hyperlien. Mmh. Effectivement, tu as un modèle hyper complet, il montre plein de choses. Par exemple, bon, quand tu fais un truc totalement uniforme, et bien, en fait, si tu fais une truc infini et si tu fais une probabilité de revenir par exemple inférieure à 1,5, et bien, tu vas en fait, voilà, tu ne vas pas changer, tu vas juste diffuser. Les différentes étapes, mais tu vas garder, en gros, tu vas faire une boîte de zéro et tu vas converger vers le même truc. Par exemple, il montre qu'il y a des trucs infinis avec ce modèle avec une probabilité de retour uniforme sur les pages, ça sert à rien. Mais par contre, il donne plein de formules qui sont dures à implémenter pour les gros graphes qui disent effectivement que dans le modèle théorique, tu peux customiser un peu comme tu veux les probabilités de retour et tu pourras envisager de les intégrer effectivement après un peu plus pratique. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas réussi à voir comment adapter. Le cadre théorique défini par Kleinberg a un truc calculable à une vitesse de PageRank. Surtout que c'est vraiment se pose le problème de comparer, deux classifications, c'est vraiment quand on n'a pas accès aux utilisateurs. Pour le faire pour de vrai, voilà, il faudrait mettre un petit moteur sémantique à côté, une fonction de mélange, et utiliser des cobayes en test double aveugle et voir ce que ça donne. Et alors, une dernière question, c'était de nouveau sur cette histoire du fait que tu ne considères qu'un seul bac. Mm-hmm. Or, en fait, finalement, quand tu... Il n'y a pas moyen, justement, je me disais, si on en fait plein, et que, comme tu fais justement du beau side, finalement, tu en bloques un peu, si finalement, à la fin, tu relissais tout on pourrait pas arriver à faire Le problème, c'est que si tu fais, par exemple, si tu as une historique L, ça veut dire qu'il faut que dans ta tête, tu puisses potentiellement contenir tous les chemins de longueur possible. Ouais, c'est vrai. Et les chemins de longueur possible, tous les chemins de longueur possible, ça marche. Enfin, tu peux pas tenir le choc. Déjà, juste à longueur 1 pour de vrai, pas juste longueur 1, mais sans le processus qui fait que tu collapses, tu te retrouves à devoir considérer non plus la page rank donc, sur les pages, mais sur les hyperliens. Donc par exemple, le page rank à 100 millions de pages, bah, ça passe à un page rank sur 1 milliard d'hyperliens. Donc un milliard de variables, alors, de... Tu... Voilà. Et plus tu augmentes, plus tu considères de variables en fait. Et est-ce qu'on s'en... Enfin, c'est important finalement de coller au comportement de l'utilisateur. Enfin, en quoi ça explique rien. Enfin, quelque part ça explique rien finalement. C'est un peu... C'est satisfaisant d'un point de vue intellectuel de se dire... Et c'est efficace d'un point de vue... pratique. Tu as pratique. Mmh. Par contre, je vais juste te pousser pour en faire deux points, mais finalement, est-ce que ça serait important enfin, Ben, je sais pas, ben, moi, pour tout dire, au tout début, tout ce que je voulais faire, c'était faire un algorithme qui, justement, l'idée originale qui a une réplique, c'était arriver à balayer ce problème des frames qui faussaient quelque part la structure réelle des graphes. Donc voilà, le point de départ, l'idée d'origine, c'était court-circuiter, enfin, faire que les frames ne soient pas des deadlocks quand le surfer aléatoire arrive dessus, quoi, laisser la possibilité de se déplacer. Donc après, effectivement, c'est un peu grossi, c'est plus ce que c'est devenu, mais. Et voilà, c'était ça l'idée d'origine. Oui, nous continuons dans cette direction par Vincent Bambert. Avant de poser une question, je voudrais d'abord faire quelques commentaires concernant la thèse. Je veux souligner le fait que, en tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à la lire. J'ai trouvé que c'était fort bien écrit et qu'elle était fort instructive. J'ai trouvé que
semblait très, très informé sur la manière en particulier dans laquelle ça se présente dans la première partie, sur la manière dont les choses se passent actuellement pour ces méthodes de recherche. En témoigne la longue liste de références que vous avez à la fin, donc quelque chose de très actuel, une information très actuelle. J'apprécie aussi le fait que la partie relative aux chaînes de Markov est faite, me semble-t-il, assez proprement, ce qui n'est pas, ce n'est souvent pas le cas dans la littérature rédigée par les informaticiens, qui parfois n'ont pas, semble-t-il, le bagage nécessaire, comme vous le relevez de vous-même, et parfois même pour des articles qui sont des articles fondateurs, vous avez vu de Klingberg, de Primo Page, il y a des... En l'occurrence, il y a une erreur assez importante dans l'article. Donc, je disais ce midi qu'il y avait des aspects pas très très clairs, et Laurent, entrepreneur, disait, tu veux dire, ils sont carrément, des théorèmes carrément faux. Donc, vrai, il y a... je tiens à dire que justement, depuis trois semaines, il semblerait que le théorème dont dit qu'il est faux soit redevenu juste. La version de novembre ne donne plus zéro, mais un moins D. Et non, toujours aussi long. Dans la deuxième partie de la pièce, on peut mettre en plus de choses. Il y a tout un vestiaire, parce que ici. Là, c'est de la mémoire. Alors, j'avais peut-être juste une ou deux questions. Une qui a déjà été directement posée par Pierre. Donc, c'est relatif à la philosophie générale de tous ces ranks, qui sont en définitive basés. On cherche à trouver des pages pertinentes en tentant de modéliser le comportement de manière aussi précise que possible, le comportement d'un surfeur sur le web. Et ça paraît quand même très étonnant, et donc c'est ce que vous faites avec le bac, la touche bac. En particulier, vous justifiez à un moment votre background par rapport à la proposition de Sidor, qui propose le journal analogue, mais vous justifiez votre choix qui diffère de celui de Sidor en disant « oui, non, non, ce que je propose est plus proche de ce que l'utilisateur va faire ». Et donc, ça paraît quelque chose comme tout de même assez étonnant. C'est comme si on laissait un utilisateur aller au hasard suivant son intuition, il visiterait les pages avec la même fréquence que celle qui est légitime pour ces différentes pages. Et moi, je ne comprends pas bien la logique sous-jacente à ça. Est-ce que vous pouvez... Justement, finalement, c'est la manière duale d'exprimer l'action des pages rangs, qui est une page importante, et pointée par des pages importantes. Dire, à partir du moment où on fait l'hypothèse justement qu'un lien, c'est pas anodin, ça a un véritable sens, justement, il y a cette espèce d'espoir que tous les concepteurs de sites, et même leurs liens, les relations qui sont entre eux, ont été faites de manière à ce qu'il soit naturel d'aller vers les bonnes pages. Typiquement, par exemple, que la sous-page d'archivage de 15 années section D soit située bien au fond avec un chemin étroit et ambigu pour y aller, alors que la page qui relie à mon meilleur ami soit accessible en deux coups de capot, ce genre de choses. Mais ici, ça va plus loin que ça, puisque c'est le fait de la modélisation même du bac, enfin de la touche bac, donc c'est vraiment la modélisation du comportement, c'est pas non seulement le fait quelqu'un qui conçoit un site ou une page décide vers quelle page il pointe, c'est plus que ça, c'est la modélisation du comportement de celui qui va chercher l'information. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, voilà, l'idée que j'avais en tête au début, c'était ce problème des frames en particulier, donc qui faisait justement qu'il y avait une dissimilarité entre ce qui se passait pour de vrai pour le surfeur en moment où il clique et ce qui se passait dans la tête du moteur de recherche au moment où il crawlait différentes pages. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément effectivement d'amélioration au niveau de cet axiome du page rank et de sa justification. Alors, j'avais une autre question qui est, en lisant la thèse, c'était de se demander dans quelle mesure certaines des outils que vous proposez, qui sont quand même très spécifiques à la recherche d'informations sur le web, en définitive, ce sont quand même des algorithmes sur les graphes avec des variations de chaînes de Markov. Est-ce qu'il est possible de transposer certaines des idées que vous avez ici dans des contextes assez différents où éventuellement on s'intéresse à des propagations, puisque c'est en définitive une modélisation du comportement d'un surfeur aléatoire, propagation de virus, de propagation de rumeurs dans des réseaux sociaux, de propagation dans des réseaux, des grands réseaux, il y en a partout, c'est très à la mode, pour le moment on en voit partout, surtout des très grands, alors peut-être pas avec autant de milliards de pages, mais des milliards de sommets, mais est-ce que ces idées-là peuvent être exportées un peu pour être vendues dans d'autres contextes? Effectivement, oui, a priori si on prend les réseaux sociaux, finalement voilà, tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir un graphe, donc
tout à fait. Alors après, propagation de rumeurs, de... effectivement, c'est des questions possibles. Par contre, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça apportait un plus? J'avoue que je ne me connais pas assez dans les modèles existants déjà sur la biologie, sur les choses, je ne sais pas trop. Sur les sujets de propagation de maladies ou de rumeurs, je ne connais pas assez les modèles préexistants pour savoir si, si les trucs de classement de type PageRank peuvent faire des améliorations. Alors, pour avoir une précision concernant la réponse que vous avez apportée tout à l'heure, donc le fait que ce réseau a une structure bien particulière de type Timo, du lien de description de ZIP, cette structure bien particulière n'est pas exploitée par des algorithmes existants de calcul d'importance, de manière à pouvoir le calculer de manière plus efficace. Il n'y a aucune méthode qui prenne avantage de cette description qualitative. Voilà, tout ce que je connais, se ramène à la décomposition aussi, parce qu'effectivement, par exemple, on parlait tout à l'heure du clustering, le clustering est aussi une méthode pour arriver à des sites par des quantités de clustering en fait. Mais d'autres méthodes, toujours pareil, je suis dans l'ignorance. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vais passer donc du côté des encadrants. Je commence par Michel. Oui, allez. Moi j'aime bien le style de Mathieu à la fois sur son écriture et son exposé. Son exposé m'a montré qu'il n'était pas un informaticien pur et dur, un côté physique. À chaque fois, tu as une vision d'un flow, même si ce n'est pas un vrai flow au centre de graphe, mais tu as quelque chose qui circule dans les barrages. C'est assez rigolo de t'écouter parce que, à part ça, la thèse, effectivement, il y a des surprises quand on lit les énigmes. Il y a beaucoup d'humour dans cette thèse. J'ai bien aimé la page qui est sur toutes les pages. Pour exemple, fabriquer le modèle du papillon. Donc, j'aime bien ta façon de faire, donc je me suis régalé pendant cette thèse. Et alors, j'ai plusieurs questions. Comment tu pourras ajouter un peu de sémantique dans ton truc? Est-ce que tu, en différenciant les liens, par exemple, les degrés, tu verrais uniformément, A priori, la méthode standard, si on veut introduire un petit peu de sémantique à moindre frais, c'est se fixer un sujet donné, par exemple, et personnaliser le vecteur de ZAP en fonction de ce sujet. Voilà, donc en fait, orienter le redémarrage d'une nouvelle session en fonction d'un topic précis. Par exemple, je dois pointer sur les universités si on veut faire une recherche orientée universitaire, etc. Pointer sur les pages de journaux si on veut faire une recherche dans les articles. Genre de choses. Donc, à travers le vecteur de ZAP, effectivement, on peut faire une personnalisation sémantique, c'est ce qui fait de l'art. Voilà. Je veux bien la discussion de tout à l'heure de Pierre sur des questions. En fait, c'est un peu par exemple si tu prends un site index ou en garde, est-ce que quelqu'un pointe, cite tel ou tel article? Bon, en général, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il l'a lu, est-ce qu'il le cite, parce que c'est pour vous, mais c'est parce qu'il a utilisé. Mais par contre, ça compte dans cet index, c'est quelque chose de bien. Donc, il y a déjà, on utilise déjà des trucs comme ça, et on comprend que la structure, quel que soit le sens. Disons que le graphe des citations avec un avantage est beaucoup plus restreint et de permettre... C'est ça, mais déjà, on a le même problème, on mélange tout, on ne comprend plus les citations, pas leur sens. Il y a un article faux. Vaut mieux. Sur un sujet. On a décoré. Ça s'est fait, je crois. Bon, merci. Merci. Donc, je passe la parole à Laurent Biello. Donc, moi, c'est vrai qu'après 3 ans passés ensemble, j'ai déjà eu l'occasion de poser beaucoup de questions, mais j'en poserai quand même une. Allez. Mais avant, j'aimerais bien profiter de cette occasion un peu spéciale, surtout pour nous deux, je pense, pour faire un petit bilan sur ces 3 ans. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé travailler avec toi, et comme tu l'as dit, tu étais un peu un thésard qui avait un problème difficile à la base, qui devait travailler sur plusieurs sites en même temps, donc là, tu l'as ressenti comme étant fantôme, mais moi, j'avais une présence synthétique de temps en temps, pas assez souvent. Et cette difficulté-là, je pense que tu en as tiré une certaine autonomie, et moi, je dois dire aujourd'hui que tu as quand même fait beaucoup de choses tout seul, et tu as fait des belles choses, notamment macro. Pour lequel je n'y suis pour rien. Tu as aussi fait d'autres choses très bien dont tu n'as pas pu parler, même certaines qui ont dû être mises en annexe, ce qui
fait qu'elles ont peut-être été moins lues alors qu'elles ont une importance forte aussi. Je voulais dire que tu avais beaucoup d'idées. Quelque chose qui m'a un peu inquiété, donc par moment. On a trop d'idées, des fois on n'en pousse aucune à bout. Mais quand je vois le travail final, je suis rassuré. Et d'autant plus que je pense que quand on lit demain, tu as vraiment été au bout de ton sujet. C'est-à-dire que d'un point de vue, quand est-ce que l'algorithme des gens convertent, c'est-à-dire des aspects théoriques, que des aspects pratiques autour des détails de l'algorithme, tu as vraiment été au bout de ton sujet. Donc je suis assez impressionné. Je voudrais dire merci d'avoir travaillé avec moi. Donc j'en viens à ma question. Je ne déroge pas à la règle de dire du bien de la personne avec qui j'ai travaillé, sauf qu'en plus facile que c'est sincère. Je dérogerai à celle qui fait que souvent les gens qui ont cadré quelqu'un en thèse ne posent pas de questions. Alors moi j'en ai beaucoup à te poser, j'espère que j'aurai l'occasion d'en poser encore pas mal, mais je voudrais juste te demander, aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup de réunir un jury de thèse pour juger de l'importance des travaux, alors que ta thèse est une page web et que finalement, disons que si je possédais un secret exclusif de contrôle du PageRank des pages du web, effectivement, je pense que ce ne serait plus nécessaire, mais ce n'est pas encore le cas. Donc je préfère rester au méthode classique pour l'instant. D'accord. Moi, je peux proposer même du jury de rajouter un lien. On va attendre de signer la validité et puis après. Donc c'est mon tour. Donc je dois dire qu'en lisant ce manuscrit, j'ai été extrêmement intéressé et il y a un grand nombre de questions qui me sont venues à l'esprit. Donc c'est pas le moment de déposer toutes. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire plus tard, mais je vais quand même en poser quelques-unes qui sont en rapport avec ce que tu nous as présenté. Moi, comme je suis de par ma spécialité, évidemment, il y a des questions très techniques qui me sont venues à l'esprit, je vais essayer de contrôler. Là. Ma première question, c'est dans l'introduction sur PageRank, donc à un moment, tu as expliqué que le ZAP, tu trouvais qu'il était mal contrôlé. Oui. Dans la mesure, si je me souviens bien, l'argument était à ce moment-là que sur une page qui mène nulle part, il y a une probabilité de zap et une probabilité de rien. Ça ne marche pas bien. Mais finalement, en relation avec les autres questions qui ont été posées un peu sur la sémantique, moi ça me paraîtrait assez naturel que si on tombe sur une page qui est un cul-de-sac, son comportement doit changer. C'est-à-dire que si on décide de zapper, ce soit avec une probabilité qui est différente que si on est sur une page qui est remplie de liens à explorer. Quand on arrive au bout, bon, ça va, si j'ai pas trouvé ce que je cherche, c'est qu'il faut que j'aille ailleurs, par exemple. Donc ça me paraît très naturel que la probabilité de zapper quelque part soit différente pour ces pages-là qu'elle l'est pour d'autres pages. Ceci dit, c'est ce qui se passe, en fait. Oui, mais c'est pas ce qui est modélisé, si j'ai bien compris. C'est pas ce qui est modélisé, mais... les deux méthodes, donc ne plus se préoccuper de la norme ou alors renormaliser à chaque fois, en fait, aboutissent à un vecteur qui correspond à ce qui se passerait si on avait explicitement dit quand on arrive sur une page sans lien, alors on zappe. Ah d'accord, j'ai connu ça comme ça, ok. Voilà, donc en fait, c'est plus précis que ça, en fait, dans le modèle, on peut avoir donc un zap garanti à moins D, et en fait, on peut arriver à contrôler le zap de renormalisation. Donc on peut imaginer effectivement d'avoir un zap renormalisé, un zap pour éviter les pages sans lien et un zap statique. C'est juste que en fait, par miracle, quand on n'y fait pas gaffe, quand juste on injecte du flow ou alors quand juste on renormalise, eh bien ces deux zaps se confondent et en fait tout se passe comme s'il y avait un. D'accord. Ça revient effectivement à modifier en quelque sorte la probabilité de ça. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'était ça, parce qu'en fait, c'était ce sous-modèle précis que je considérais, sur ce que j'appelais les pages que mieux compensées et non compensées, qui en fait donc récupèrent tout sous le ZAP. Sur les pertes de flow, les pertes de sous-stochastique sont récupérées par le Z standard. Très bien. Alors ensuite, j'avais une question sur. Ton analyse de l'algorithme backrank. Hein.
Alors, d'abord, je dois dire que bon, j'étais un petit peu désarçonné dans la mesure où l'analyse est menée en dehors des conventions habituelles pour une analyse markovienne. Et en particulier, bon, ça m'a empêché de voir rapidement si la méthode que tu proposes marche bien parce que dans PageRank, les probabilités de suivre un lien sont uniformes, uniquement grâce à ça, ou si ça marcherait si c'était différent, par exemple, ce que tu proposais toi, avec une pondération non uniforme liée à une sémantique. Alors, en fait, BackRank fonctionne parce que le PageRank d'hyperlien ne dépend que de ce mètre départ. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je ne pourrais pas faire toutes les rousses que j'ai faites en jouant juste sur, une répartition non équitable. Si la page n'est pas équitable, a priori, donc il y a des pages antipales distinctes, même quand ce n'était pas donné, et les variables explosent et ça ne marche plus. D'accord. Alors, après, donc, par rapport aux probabilités de retour de la touche back, la dernière fois avec Laurent, j'avais dit qu'en fait, on ne pouvait pas s'en sortir. Depuis, j'y ai un peu réfléchi et je pense qu'on doit pouvoir arriver à mettre un peu de poids sur la touche back qui n'est pas un poids équitable à un lien. Mais par contre, il faut garder les liens équitables entre eux, ça c'est vraiment indispensable. Donc en rajoutant des poids sur la touche back, on va rajouter en fait, si je ne me trompe pas, on va rajouter on va faire en fait un double produit terme à terme de trois vecteurs. De modéliser tout ça, mais c'est pas surmontable, ça se calcule. J'ai un peu testé, il y a une théorie d'ailleurs qui marchait bien. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme si c'était un lien, auquel cas, ça se tient tout seul. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Et bon, j'avais une dernière question, un petit peu sur le thème du bon, mais jusqu'où faut-il aller. C'est lié à la précision du calcul. Tu nous as montré un graphe impressionnant où le calcul arrive à 10-10. Oui. Et ce que tu n'as pas rappelé, mais qui est visible dans le document, c'est que tu fais ça, c'est une erreur sur la norme L1, oui. Qui est donc beaucoup plus forte que la norme à l'infini, étant donné le nombre de pages. Et donc, ça, c'est un calcul hyper précis, extraordinairement précis. Or, le graphe sur lequel on calcule, le graphe des hyperliens, lui, il est connu de façon assez imprécise. On ne connaît pas tout. Qu'est-ce qui se passerait si je rajoutais un lien, serait-ce qu'un lien, ou une page qui, elle, va se trouver pointée sur plusieurs liens? Quelle est la sensibilité dans du calcul? Donc, ma question la pose. Est-ce qu'il y a des études faites sur la sensibilité du vecteur de PageRank vis-à-vis des incertitudes du graphe? Et corollaire, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller jusqu'à 10-10 et donc 120 itérations ou 80 pour obtenir un résultat valable? Alors pour la question de la sensibilité du graphe, je n'ai pas l'étude en tête, mais bon, intuitivement, il est évident que si on fait une perturbation dans des zones de périphérie, de banlieue de PageRank, où les PageRank sont assez faibles, on va dire petit que 4 ou 3 sur l'échelle de Google, il est fort probable que la convergence se remette en place assez, enfin que ça reconverge assez rapidement. Par contre, si on touche les zones dures, là, en gros, il faut le temps que ça propage et il peut se passer beaucoup de temps avant qu'on ait de nouveau une convergence sur le sens. Dans le 1 qui soit bon. Alors après, sur le est-il nécessaire d'aller à 10-6, à 10-10, eh bien en fait, comme j'ai plus ou moins dit, mais c'est vrai de manière expérimentale dans mon mémoire, il semblerait que non, pour avoir le classement par exemple des 20 premières pages, en gros pour avoir le classement des pages de fort classement, ça se passe très vite, tout se passe bien, on arrive facilement à différencier les différentes pages d'une aux autres. Par contre, en gros, plus on va vers la banlieue, plus on accumule plein de pages avec des pages rank qui sont potentiellement très distinctes, enfin, où la distance entre pages rank est de l'ordre de la variation. Et il faut pousser pour avoir la variation qui devient plus petite que la distance moyenne entre deux pages rank. Et typiquement, donc, pour 120 millions de sommets, il faut avoir 10-10 pour être sûr qu'il n'y aura pas de bruit qui viendra perturber le classement. Enfin, t'es à peu près sûr. D'accord. Bien, merci. Donc je pense que pour les membres du jury, on est à bout de nos questions. Y a-t-il des questions qui viendraient de la salle par hasard? Non. Nous allons vraiment remercier le candidat et nous retirer. Question publique. Moi j'avais des questions très méchantes, c'est vrai. Oui, moi aussi. Il faudra que tu les gardes, que tu la gardes quand ils vont en délibérer, mais tout de suite on va travailler. Ouais.
oui. Je sais pas, il faut avoir des conditions. Ah ouais, d'accord, parce que ça commence à être difficile.